Salut les amis, c'est Kali, on se retrouve sur un nouvel épisode de Shadow of the Tomb Raider sur PC. Donc on est arrivé dans des ruines assez macabres. Plusieurs petits bruits et des petits monstres qui sont passés dans le décor m'ont fait sursauter dans l'épisode précédent. Donc il y a des grandes chances pour que je sursaute encore dans celui-ci. D'ailleurs en parlant de sursauter, normalement d'ici quelques semaines j'aurai fini mon bureau. Et j'aurai récupéré une webcam de qualité, donc il y a de grandes chances que pour mes prochains let's play, il y ait bientôt ma tête. Bon, dommage pour vous, hein. C'est pas le mieux pour vous, mais bon. Waouh, et pof. Ah, donc il y a 16 balles. Sacré fusil à pompe. Donc ouais, donc pour la webcam je vous tiendrai au courant parce qu'il faut que je vois par rapport aux finances que je veux pas prendre non plus une webcam bas de gamme juste pour dire je vais mettre mon visage. Je préfère mettre un peu de côté et acheter du matos de qualité. D'ailleurs si vous voulez m'aider à m'améliorer dans mon matériel ou pouvoir acheter des jeux récents ou autres, n'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai un lien pour faire des dons. Bon, je réclame pas des dons forcément, mais ceux qui veulent m'aider, n'hésitez pas. Voilà. Alors... Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, j'aime pas quand je suis accroupi. Je suis à la merci de n'importe quelle bestiole. Oh, puis avec la respiration de Lara, là... Oh là là. Pourquoi ils me font rien à moi? Parce que là ils ont eu 15 000 occasions de me tuer. Hein. Il est flippant ce gars là. Oh la vache! Waouh! Ah j'ai faim, c'est bon! Je bouge. Ouais. J'ai pris cher là quand même.
pour me régénérer, c'est là. C'est très... D'accord, c'est... Je cherchais pendant le combat. J'ai cru que j'allais crever. Ouais, j'ai mon petit moment de frayeur là, le combat. Là. Bon, et maintenant? Allez. Un peu les ménages. Il y a quelque chose qui bloque. D'accord. Bon, toujours dans les ruines. Balle. Est-ce qu'on peut fabriquer des balles? Les balles normales, non. Balles toxiques, oui. Ok. Non, on va pas fabriquer de balles toxiques tout de suite. Un joli petit piège. De date. D'étranges guerriers nous ont poursuivis à travers les grottes, mais nous nous déplacions trop rapidement pour les décrire avec précision. La majorité des soldats sont morts en combattant. Ils ont été vaillants, mais l'ennemi était plus fort et plus nombreux. Lopez, moi-même, ainsi qu'un soldat survivant, sommes arrivés à un temple splendide. Je me demande comment des hommes ont pu construire un tel édifice si profond sous la terre. Une porte massive nous a empêchés d'aller plus loin. Lopez, la voix agitée et haletante, a ordonné à Pérez, le dernier conquistador, de monter la garde pendant qu'il essayait de débloquer le mécanisme d'ouverture. La porte a fini par s'ouvrir, mais notre joie fut interrompue par les hurlements d'agonie de Pérez. Il me hante encore.
que des trucs joyeux que le ramasse. Alors, il faut que... je saute là en biais. Oh la vache. Pas terrain bloqué là avec les pics. Ça serait bien des munitions. La fameuse porte qui parlait dans le journal et qu'ils ont pas su ouvrir. Oh mais je t'ai jamais demandé de couper hein. Ok. Sous l'eau ça a l'air profond. J'aime pas quand il y a des risques de bestioles. Salle vide, c'est assez étrange. Oh, le bruit des eaux et tout, ça me fait stresser. Puis on entend des gargouilles au loin. Obligé, ils vont m'attaquer. Oh, ça sent le truc qui s'écroule, ça. La boîte est peut-être là. Ouais. À bouger, ça va être lourd quand même. Allez, je vais faire style. Oh non, ça casse pas. J'étais mauvaise langue. Pas trop ce qu'il faut que je... Oh là, il y a un bestiau là. Est-ce qu'ils sont sensibles aux flèches? Ouais. Je gaspillerai moins de munitions comme ça. J'ai pas assez de place pour ça. Je suis attaqué partout. Vous voyez, je joue pas en facile pourtant et je suis tout le temps attaqué quoi. Bon, à part pour les munitions pures, les armes à feu. Sinon le reste, je suis au max. Ah donc ça, si je tire dedans, je peux plus rien prendre. Si je tire dedans, ça fait cramer. C'est bon à savoir. Truc à tirer là. Ah, c'est des effigies à abattre, d'accord. Là, il n'y a rien.
Oh la vache. Oh putain. Bon, les flèches, c'est vraiment que si j'arrive à leur viser la tête. Sinon, vaut mieux prendre ça. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas beaucoup, quoi. Puis, je pense jamais au piolet, donc... Allez, recommence. Ah, je vise mal, hein. Ça serait bien des munitions là. Ouais, ça reste léger quand même, hein. Il y a plein de trucs à exploser là, je sens qu'il va y avoir du monde après. Ça doit agir sur quelque chose. Ah, attends. Là où on... Oh, c'est là où j'étais déjà là. Alors là, je pêche. Ah, d'accord, non, il faut que je tourne la tête du dragon, d'accord. Pour pouvoir grimper. Voilà. Voilà. Ta gueule, toi. Il est mort.
crois qu'il va y en avoir d'autres, c'est obligé. Genre en haut là. Déjà elle me fait flipper de base quand elle sort son arme. D'accord, j'ai compris le système. Vous avez vu, il y a trois cordes. En fait, il faut que je tourne les trois têtes pour que l'eau s'écoule sur la roue. Voilà, j'y suis presque. Oh, je viens de voir du monde là. Mais il sort d'où comme ça? Eh ben, ils sont coriaces. Il y en a encore un qui me tire dessus là-haut. Où c'est qu'il va? Ah, il s'est barré l'abruti là. Oh non, il m'a eu. Ah. Galère. Oh non, j'ai pas tous les retués quand même. Deux portes, évidemment. Mais ça doit être la dernière. Ouais, mais l'autre, du coup, on l'ouvre comment? Parce que ce côté-là, il a l'air assez inaccessible, quand même.
cul-de-sac là. Je suis paumé. Là, c'est ouvert la porte. Mais après, faut que je fasse quoi? Faut que je monte. Parce que si je retourne la roue là, ah bah, je peux plus de toute façon. Du coup, je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Par en dessous peut-être. Zut alors. Là, je pêche. Je pêche, donc je pense que je vais chercher et on se revoit dans le prochain épisode. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager un maximum sur vos réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Et surtout, abonnez-vous. Une fois que vous serez abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour rater aucun de mes contenus. A bientôt les amis.